السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، فقال الله تعالى للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكلمة قالها موسى عليه السلام لما قال له قومه: إنا لمدركون. قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فجعل الله تعالى البحر يبسا، وجعل الماء أرضا، فسار عليها موسى وأصحابه. وكلمة قالها محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وأصحابه الكرام يوم أحد، يوم قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. Je disais que cette parole, ô combien lourde et ô combien profonde et ô combien elle est pesante et influente et prégnante,
celle de dire « Allah me suffit comme protecteur ». Allah me suffit comme protecteur. Cette parole qu'a dit Moussa alayhi salam alors qu'il était en danger, alors qu'il était poursuivi par Pharaon et qu'il était à quelque distance de les rattraper. Et les gens qui étaient avec Moussa dirent à Moussa, « Oh, ils vont nous rattraper !» Et Moussa de dire, « Oh que non, Allah est avec moi, Allah est avec moi, et Allah m'inspirera le bien, et Allah me guidera vers le bien. » Donc il a dit qu'Allah me suffit comme protecteur, et Allah a transformé la mer pour lui en un chemin de terre qu'il a traversé lui et ceux qui étaient avec lui. Parole que Ibrahim alayhi salam a dite alors qu'il n'avait aucune force devant son ennemi qui lui reprochait sa foi, qui reprochait sa croyance en l'unicité d'Allah, et ils ont décidé de le jeter dans le feu ardent. Il dit « Allah me suffit comme protecteur ». Et Allah dira à ce feu-là, au feu, soit une clémence et une sérénité pour Ibrahim. Le feu qui devait le consumer, le feu qui devait le carboniser, est devenu plutôt pour lui une sérénité. Est devenu une chambre d'un climat que nulle part ailleurs Ibrahim ne pouvait trouver plus agréable. Une parole que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dite, une parole que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dite, ainsi que ses compagnons, lorsque les gens leur dirent, et les gens en sont en train de se rassembler pour venir vous attaquer, ayez crainte, ayez peur de ce rassemblement qui se fait contre vous. Et qu'est-ce qu'il dira le prophète? Il dira « Allah nous suffit comme protecteur ». Et Allah de nous dire, en disant cela, le prophète et ses compagnons sont retournés chez eux avec la grâce d'Allah, de ses bienfaits, le mal ne les a pas atteints et ils suivirent les voies de la guidée. Une seule parole leur a attiré quatre bienfaits, les grâces d'Allah et ses bienfaits. Le mal ne les a pas touchés, ils ont suivi par cela les voies de la guidée. C'est une parole que doit dire le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis que l'épreuve fait partie de la vie. Aucune communauté, aucune personne vaillante, aucune personne sincère et croyante n'est sortie de cette vie sans avoir goûté à l'épreuve. Alif Lam Mim, nous dit Allah Ta'ala, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بلى ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي سورة أخرى يقول المولى سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن ليتخذ منكم شهداء وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن ليتخذ منكم شهداء. Je disais qu'aucune communauté n'est sortie de cette vie, aucune communauté de foi et de croyance, même si on remonte dans l'histoire et on remonte dans le passé le plus lointain, on ne trouvera aucune communauté qui n'a pas été éprouvée. Ni les compagnons de Moussa, ni ceux de Ibrahim, ni ceux de Issa, les plus proches de nous, ni la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont été à l'abri de cette épreuve. Allah dit, Alif Lam Mim, les gens pensent-ils qu'ils resteront comme cela sans être mis à l'épreuve ?
Oh que non! Ceux qui les ont précédés les ont été éprouvés et eux aussi seront éprouvés afin que soient distingués ceux qui sont sincères et ceux qui ne le sont pas. Et dans une autre sourate, sourate Al-Imran, Allah nous dit qu'Allah ne pouvait laisser. Ça serait contraire à la raison. Ça serait contraire à la logique. Ma kana Allah li yadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayh. Ça ne pouvait pas continuer comme cela sans qu'une épreuve ne vienne. Parce que l'épreuve, elle est nécessaire. C'est à ce moment-là que soit distingué le bien du mal. À ce moment-là que soit distingué le sincère de l'hypocrite. À ce moment-là que soit distingué l'ami de l'ennemi. Ma kana Allah li yadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayh. Allah ne pouvait laisser les croyants sur l'état dans lequel ils étaient avant de distinguer. Jusqu'à ce que soit distingué, jusqu'à ce que soit discerné, jusqu'à ce qu'il soit départagé. Al-Khabith min al-Tayyib. Et là, on passe dans une autre expression. Le vil, le corrompu de celui qui est saint. Le corrompu de celui qui est saint. À quel moment on peut savoir qui est saint? Dans son esprit, qui est saint dans son comportement, qui est saint dans ses idées, et qui a un esprit gâté, un esprit corrompu, un esprit malsain, et un comportement malsain, et aussi des idées malsaines. C'est quand l'épreuve tombe. C'est quand l'épreuve vient. C'est à ce moment-là qu'on le sait. Et quelle autre épreuve? Quelle autre épreuve que celle que nous vivons aujourd'hui? Bien entendu qu'il y a eu d'autres épreuves dans le passé. Sauf que l'homme est oublieux. L'homme est oublieux. Il est amnésique. Et parfois, il fait d'oublier. La France et l'islam, ça remonte à très loin. 1793. C'est loin. Oh là là. Ça fait combien de siècles? Ça fait plus de deux siècles. Bien loin de deux siècles. Et c'est pour cette raison qu'on doit avoir l'histoire dans l'esprit. Et on doit avoir la mémoire dans l'esprit. Mais avant tout cela, on doit avoir la foi. On doit avoir la foi. Qultu ibadallah, anna Allah ta'ala yabtali, wa anna Allah ta'ala yamtahin, wa anna Allah ta'ala yakhtabir. لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المولى سبحانه وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Je disais que là est la promesse d'Allah. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. Que l'épreuve elle est là. Et de même qu'Allah nous a enseigné, Allah nous a appris, Allah nous a édifié dans notre esprit et dans notre foi et dans notre psyché aussi. La façon dont on voit, dont on ressent les choses, dont on réagit avec les choses. Allah nous dit, il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Combien de choses nous aimons, nous chérissons alors qu'elles sont un mal pour nous? Et il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Et Allah sait et vous ne savez pas. Oh là là, quelle belle expression. Vous voyez le Coran? Le Coran, il te comble. Il ne te donne pas une partie de l'information. Il te donne toute l'information, il te rajoute quelque chose qui va te combler. Ah, si tu doutes encore qu'il se peut qu'un bien soit un mal et qu'un mal peut être un bien, sache
qu'Allah sait et toi tu ne sais rien. Toi tu ne sais rien. Et c'est pour cette raison qu'on se fie à Allah subhanahu wa ta'ala. On se fie à notre foi. On se fie à notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on fait face à l'épreuve. Le mal, c'est ce mal-là que nous vivons depuis le 13 novembre. Commençons par celui du 13 novembre même. Il y a certains qui doutent que le musulman répugne, que le musulman dénonce, que le musulman est indigné par la tuerie qui s'est passée ce soir-là, du 13 novembre, à Paris et à Saint-Denis. Là aussi, c'est un bien. Ça montre combien les gens ont des préjugés très négatifs sur nous. Que des gens puissent penser que le musulman n'est pas affecté, que le musulman n'est pas blessé par cette effroyable tuerie lâche. Pourquoi lâche? Tout simplement parce que quand des personnes avec des armes de guerre viennent s'attaquer à des personnes qui n'ont aucune arme, qui n'ont même pas sorti de chez eux pour faire face aux armes. Ils sont attablés sur des terrasses de café ou ils sont dans une salle de spectacle et que des gens viennent les tuer. C'est quoi ces gens-là? C'est des courageux? C'est des vaillants? Non. C'est les pires des lâches qui peuvent se trouver. Combien même ils s'explosent avec des explosifs, c'est parce qu'il est lâche qu'il s'explose. Parce que le vaillant, le courageux, l'homme, il est là, debout, il résiste, vivant. C'est pas celui qui se suicide qui est le vaillant. Celui qui se suicide, c'est le fou, le malade, le lâche. Le lâche qui ne sait pas faire face à l'adversité, c'est qu'il ne sait pas résister à l'adversité. Le vaillant, le courageux, le fort, le résistant, l'homme, avec un grand H, c'est celui-là, là, qui est vivant, qui pratique sa foi, qui a confiance en sa foi, qui a confiance en ses mosquées, qui a confiance en ses imams. Vaille que vaille, et advienne que pourra. Parce que c'est tout à fait normal. Donc, ceux qui ont douté que les musulmans soient blessés et indignés par ce meurtre-là, ont tort. Et ça montre bien combien leur préjugé sur nous est négatif. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas seulement blessé une fois par ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez compté dans votre tête combien de fois ça vous a blessé cela? Parce que moi j'ai compté. Et au minimum, j'ai trouvé il y a 5 raisons. Au moins 5 raisons qui font que je suis indigné, je suis meurtri et blessé par ce qui s'est passé. La première, c'est cette lâcheté-là. Que des gens s'attaquent à d'autres lâchement et effroyablement. Ça, c'est la première. Et la deuxième, alors, c'est quoi? La deuxième, c'est tout simplement que cette lâcheté-là, cette effroyable tuerie, soit réclamée et revendiquée au nom d'Allah. Le malheureux récitateur ou lecteur de la revendication, le Toulousain Fabien Klein. Oh, si seulement il s'était converti à l'islam, pour être dans le bon islam. Malheureusement, des gens qui arrivent avec un passé très négatif, au lieu d'embrasser l'islam, ils embrassent la folie. Et c'est la folie qui l'a embrassé, et c'est pas l'islam qui l'a embrassé, malheureusement. Qui va dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il va commencer à lire sans sa revendication de ce meurtre. Donc ça nous fait mal que Allah soit invoqué ou qu'Allah soit pris comme prétexte. Allah le miséricordieux pour cela. La troisième raison, c'est quoi? La troisième raison, c'est tout simplement que nos frères syriens qui sont meurtris, qui sont massacrés,
qui vivent le martyr, qui vivent le martyr depuis 4 ans. Leur cause qui est légitime, leur cause qui est juste, soit associée à ce crime parce que les lâches assassins ont dit « On l'a fait pour venger nos frères syriens ». Malheur à vous, vous n'avez pas vengé vos frères syriens. Au contraire, vous les avez salis. Et vous avez aussi corrompu leur cause qui est juste et saine. Ça, c'est la troisième cause. La quatrième, c'est quoi? La quatrième, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Que des fous furieux, lâches assassins, tuent. Et après, on montre du doigt qui? On montre des doigts les mosquées. On vient faire des perquisitions dans les mosquées. On montre du doigt des imams. On vient perquisitionner chez des imams. On montre des doigts des jeunes militants associatifs qui enseignent, qui font des cours et qui sont au service de leur communauté. Ça aussi, ça nous blesse. De faire un lien entre un effroyable meurtre et les mosquées, les imams et la communauté musulmane de France. Non, il n'y a aucun lien. Il ne pouvait y avoir aucun lien, c'est pas possible. Là, on cherche juste un bouc émissaire, on cherche juste une cible facile, parce que malheureusement, elle est facile, la communauté musulmane de France, pour être désignée comme cible. Ça fait déjà 4, et c'est déjà beaucoup. Mais je vais vous citer la cinquième. La cinquième, c'est quoi? La cinquième, c'est ses pères et ses mères. De ses enfants qui sont morts, les musulmans, je parle, hein, les tueurs, oui, leurs parents. Pas eux, peut-être, j'ai pas de sentiment pour l'instant, aucun pour eux, ni de haine, ni de pitié, bien qu'ils soient des victimes, mais pour leurs parents. Je pense notamment à ce parent du jeune de Drancy. Il est allé jusqu'en Syrie. Un pays en guerre pour essayer de récupérer son fils. Rentrer avec son fils en France, le sauver. Mais il n'a pas pu, malheureusement. Et ça, je me mets à sa place en tant que parent. Si par malheur, on a tout fait pour donner la bonne éducation à son fils. Si par malheur, non, plutôt, c'est pas par malheur d'avoir donné cette bonne éducation. On a tout fait pour donner cette bonne éducation. De faire que l'enfant suive des études, réussisse dans ses études, qu'il ne lui manque rien. Et par malheur, il est tombé dans les filets de gens qui l'ont endoctriné, des gens qui lui ont tourné la tête, des gens qui ont intoxiqué son esprit. Ils l'ont convaincu que c'était une bonne chose pour lui de partir en Syrie et de mourir pour des choses qu'on lui a miroitées et d'un idéal qu'on lui a dessiné et avec lequel on l'a séduit. Donc ces pères-là, tous ces pères-là, on a entendu quelques témoignages de parents, de pères et de mères, ils ont dit que notre vie, elle est dévastée. Donc, ces pères-là, par empathie, aussi, ça nous fait mal. Et c'est pour cette raison qu'en tant qu'imam, on a cessé de faire attention, de dire aux parents, attention, de dire aux jeunes, attention. On l'a fait, on le fait encore. Et on le fera toujours parce que c'est le devoir qu'a un imam envers sa communauté et c'est le devoir qu'a un imam envers sa religion. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allaha fastaghfiruhu wa huwa al-ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد عدد ما خلقت
اللهم لك الحمد من أما خلقت اللهم لك الحمد عدد السماوات والأرض وما بينهما اللهم لك الحمد عدد كل شيء اللهم لك الحمد من كل شيء الله سبحانه وتعالى يأمرنا فيقول عز من قائل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله nous dit dans le Coran ô vous les croyants aidez-vous par l'endurance et la prière car Allah est avec les endurants même si l'endurance ici certains exégètes l'ont commenté comme étant le jeûne mais le jeûne fait partie le jeûne le fait de jeûner fait partie de l'endurance mais l'endurance d'une façon générale être endurant et l'endurance il y a trois sortes d'endurance comme disent les savants l'endurance dans la piété et l'adoration l'endurance vis-à-vis de l'impiété pour se prémunir de l'impiété et l'endurance face aux vicissitudes de la vie aujourd'hui on doit les observer toutes les trois je vois, j'entends, je regarde dans la communauté des vices qui montent à la surface la délation chez les musulmans chez des responsables musulmans la délation la plus crasse la plus exécrable la plus ignoble que le non-salafi dit c'est les salafis qui sont derrière les extrémistes ou que les pseudo-salafis disent que ce sont les frères musulmans qui sont derrière ces actes de criminalité. Et c'est arrivé. Et on est en train de le vivre avec le cœur qui se déchire. Hein, quand on arrive là, alors que ce n'est ni les uns, ni les autres. Ni les salafis n'ont rien à voir avec cet extrémisme, cette violence, ni les frères musulmans non plus. Mais voilà, parce que ça fait longtemps que ça couvait ces idées fausses, ces préjugés entre musulmans, qu'aujourd'hui, une mosquée à Vitrolles, dans la rue, elle va accrocher une pancarte. Nous sommes contre l'extrémisme et les extrémistes, comme Al-Qaïda, Daesh et les frères musulmans. Malheur à vous, ignorants, ignorants que vous êtes. Et vous ne méritez même pas le nom de cet grand imam qui arborait sur votre mosquée, la mosquée Al-Bani. Wallah. Mérite pas ce nom d'un homme. Hein, un grand homme. Donc, faire attention. Ton frère, tu ne la lâches pas. Ton frère, tu ne l'accables pas. Tu ne l'accables pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, porte secours à ton frère qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Ils ont dit, oh mon prophète, on sait qu'il est normal de porter secours à son frère quand il a raison, c'est-à-dire quand il est victime. Mais comment peut-on lui porter secours quand il a tort? Il a dit, tu l'empêches. Tu le retiens pour le reprendre de ce tort-là. Tu le retiens de commettre ce qui est injuste. Tu le contiens. Voilà ce qu'il faut faire entre les musulmans. C'est pas se lâcher les uns les autres. C'est pas se dénoncer les uns les autres. Calomnieusement, surtout. Avec calomnie et injustement. Ça, c'est malheureux qu'on le vive aujourd'hui. Dernière chose. Il faut garder confiance. L'islam en France, depuis même le début des années 80, n'y a jamais eu. Je vous le dis parce que c'est très important, j'insiste. Il n'y a jamais eu de lien avec aucun acte de violence commis contre la France, ici, sur le territoire français ou à l'extérieur, qui soit lié à nos mosquées.
ou qui soit lié à nos imams et prédicateurs. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. On vous dit, on a fermé une mosquée ici, on a fermé une mosquée là. Ces mosquées-là ont été fermées pour des raisons administratives. Parce que c'est des locaux qui n'appartiennent pas aux musulmans et que les musulmans malheureusement occupaient depuis longtemps. Mais aucune mosquée comme celle-ci n'a été fermée, ne peut être fermée. Et pourquoi la fermerait-il ? C'est pas possible et ça n'a pas été et ça ne sera pas. On a confiance en cela. Mais encore faut-il que cette confiance-là ne soit pas seulement verbale, il faut qu'elle soit dans le cœur. Et c'est pour cette raison que je terminerai par ça. Aujourd'hui, on demande à des imams, est-ce que vous condamnez la violence ? Ce livre-là que vous avez pour beaucoup d'entre vous, hein, qu'on a distribué, il faut le distribuer tous, vos mères, les mères AMAIRES, hein, les personnes que vous connaissez, il faut leur montrer ce livre-là, parce que ce livre-là n'est que la 5e édition d'un livre qui a été édité il y a 10 ans. C'est ce livre-là, hein, 2006, dans lequel nous n'avons attendu ni le meurtre du Bataclan, ni celui de Saint-Denis, ni celui du 7 janvier de Charlie pour dire, disons-le clairement, les poseurs de bombes et les kamikazes, tant dans le monde musulman qu'en Occident, parce que il y a eu de cela aussi dans le monde musulman, il y a encore. Agissent surtout pour des raisons géopolitiques et idéologiques, ni le Coran, ni la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne saurait le servir de justificatif ou d'argument. Poser une bombe dans un lieu public, se faire exploser au milieu des civils dans un mariage à Amman ou dans une station de métro londonien, ou encore poser une bombe dans un train madrilène à Madrid, ou dans un métro parisien, sont des actes criminels et abominables. L'islam ne saurait cautionner de tels actes. L'islam, religion que Dieu a agréée à l'humanité, ne saurait soutenir cette violence aveugle. Alors que ne viennent pas les hommes politiques ou les médias nous dire que les musulmans ont été mous. Non, les musulmans ont été forts. Ils ont été fermes sur cette question parce qu'il y va de l'image de notre religion. L'islam, c'est la religion de la paix, et quand il y a combat, c'est un combat légitime qui est mené par un état légal et légitime. Voilà, on l'a dit, on le redira toujours. Maintenant, qu'ils veulent croire, qu'ils croient, qu'ils ne veulent pas croire, c'est leur problème. Nous, c'est ça notre religion, et cette religion, on la garde toujours, et on a confiance. On a confiance. Allah subhanahu wa ta'ala as'al an yaj'alana من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين اللهم احفظنا بالإسلام واقفين اللهم احفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء الحاسدين. اللهم احفظ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فاجعل تدميره في تدبيره. ومن أراد بالإسلام خيرا فوفقه وأعنه عليه. اللهم إنا نسألك يا عظيم. اللهم إنا نسألك يا كريم أن تجعل هذا البلد آمنا. اللهم اجعل بلدنا آمنا. واجعلنا فيه من الآمنين المأمونين. والله on te prie et on te demande et on te supplie de faire que notre pays ici, la France, soit un pays paisible, un pays de fraternité et de nous donner la force pour être contre les haineux, d'être contre les islamophobes, d'être contre ceux qui sèment la haine et la division dans ce pays. Oh Allah, donne-nous la force morale, la force verbale pour être de bons musulmans qui prêchent le bon islam et qui font face à ceux qui attaquent l'islam et attaquent les musulmans dans cette religion et fait que la paix soit dans tous les pays musulmans et délivre-les du martyre et du mal qu'ils subissent depuis des années et ce mal-là est un mal terrible. Oh Allah, on te prie de les soulager tous. Amin. Walhamdulillah Rabbil Alamin.